Salut tout le monde, c'est Darkboy et on se retrouve pour l'épisode 3 de la map Sandwich. The Missing Sandwich. Donc bon, attendez, on va quand même voilà, se remettre en mode comme ça. Et on va aller au tunnel numéro 3. Voilà, qui est juste par là. Alors, le tunnel numéro 3, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Push the button, ok. Et c'est un labyrinthe. Oh, bon, ça devrait aller, labyrinthe. Tant qu'il n'y a pas de trou en tout cas. Là. Merde. Oh putain, non. Ouais, non, non, c'est un peu cancer. Ah, quoique, non, ça va en fait. En fait, faut suivre juste un mur. Alors, on suit un mur, un côté de mur. Et là, on pourra sortir. Ça a l'air quand même plus simple, mais bon, on n'est pas à l'abri de pièges. Peut y avoir des pièges, ou alors des pièces qui tournent, en fait, des pièces qui sont échappées du reste, qui sont, en gros, on peut avoir des blocs. Qui sont pas reliés aux autres murs. Mais bon, ça, de toute façon, on peut le contourner après. Là, voilà, droite, droite, droite. Oh ouais, nickel. C'est aussi à droite là. Voilà, parfait. Bon, ça va, on avance assez bien. On devrait trouver la sortie assez rapidement. C'est plus rapide que les autres quand même à faire. Après, ça dépend de la taille du labyrinthe aussi. Mais en vrai, il faut juste suivre. Le mur d'un côté tout le temps et puis ça devrait bien se passer. Donc là bon on est en train d'avancer je crois. Je suis pas sûr et certain à 100% mais je crois qu'on est en train d'avancer quand même pas mal. Donc voilà, donc c'est la petite astuce des labyrinthes, c'est-à-dire suivre les labyrinthes en prenant un mur tout le temps de suivre. Donc là je suis le mur droit justement. Vous pouvez faire avec le mur gauche, c'est pareil. Et vous allez arriver à une sortie ou à l'autre. Parce que quoi qu'il arrive, le labyrinthe est censé être finissable. En fait, on est censé pouvoir le finir. Donc, il y a forcément une sortie. La sortie, le chemin, on va forcément le trouver si on passe comme ça. Parce qu'on va longer les murs, on va tomber sur des cul-de-sac. Et du coup, donc là, ça doit être un cul-de-sac aussi. Et du coup, on va le contourner, on va passer, on va tester tous les cul-de-sac quasiment en fait. Mais pas ceux du milieu en général. En général, on teste juste ceux des côtés. Bon après, certes, les murs peuvent nous amener au milieu. Comme là, peut-être que je suis vers le milieu. Mais du coup, en général, on teste vers le côté à chaque fois. Le côté du passage, en tout cas. Le côté du passage qu'il faut prendre pour sortir. Donc, alors, on avance encore. Bon, c'est un peu long quand même, je crois. Ah ok, non, c'est juste un cul-de-sac, ça va, c'est nickel. Je pensais que c'était un mur détaché, mais non, c'est bon, c'est pas un mur détaché. Voilà, voilà, on passe par là. Il y a rien ici. Il y a, hop, un autre passage là. Voilà, il y a beaucoup de passages quand même. Il y en a beaucoup. Voilà, on passe ici, nickel. Voilà, on doit, hop, longer encore. Ah, on a quand même des là-bas on voit des, bon j'ai oublié Optifine je crois, mais on a des noms là-bas. OMG Chest, ça doit être là-bas que c'est la sortie à peu près. Ouais, bah, de toute façon ça nous conduit là-bas le labyrinthe. Si on prend les murs de droite, ça nous conduit par là-bas. Ouais, ok, c'est un autre cul-de-sac. On dirait les mêmes à chaque fois, mais bon, c'est juste des cul-de-sac normaux quoi en fait. Putain, il y a un autre cul-de-sac. Ok, il faut faire gaffe. Faut faire gaffe à pas se paumer, genre à force de nous faire tourner, on peut se paumer. Mais bon, normalement vu comment je gère, ça devrait aller. Voilà, on retourne à droite, on retourne. Ok, il y a rien. On retourne à droite ici. Et ouais, on est bientôt à la sortie. Donc la sortie qui est juste là, voilà. OMG chest. Parfait. Donc là, on peut tout prendre. Normalement, on fait ça. Voilà, et là on fait pareil. Et ouais, on peut tout prendre du coup. C'est parfait. Bon, on va prendre le pot aussi, voilà. On prend tout en vrai. On peut pas prendre le bouton? Non, mec. Non, j'allais prendre le bouton quoi. Mais non. Bon, en vrai, le labyrinthe, c'est le truc le plus rapide à faire dans tous les parcours qu'on a pu tester ou toutes les épreuves. Sausage, ok. Et ça, c'est un bout de pain Bacon Nobs. Ok. Alors, appuie sur le bouton. Et là, c'est Elytra Course. Ok.
There's an Elytra behind you. Try to fly through. Ok, il y a une Elytra. Swaggy Elytra. Waouh, magnifique. Parfait. Hop, on va. Aïe. Ah oui, merde. Ok. On a. Oui, on a toujours les. Oh putain, elle s'épuise. Aïe. Ah! Ouais, ok, il y a des murs. Il y a des murs invisibles en dessous. Ok, on va pas. Si? Oh! Aïe. Ah, ok. Et il y a des murs invisibles en dessous à chaque fois. Oh, pas là. Oh, putain, il y a un autre. Là. Ah, bon, ok, il y avait la ligne d'arrivée là-bas. Mais j'ai l'impression qu'on peut pas tous, on a pas besoin de tous les passer pour que ça fonctionne. Je suis pas sûr après, donc, ah, faudrait voir si je me trompe ou pas. C'est galère, c'est galère, c'est galère. C'est galère à tout gérer. C'est, on va trop vite. Voilà. On va un peu trop vite. Ok. Oh! Putain, mais il y a beaucoup trop de... ouais, il y en a beaucoup trop des anneaux. Je vais essayer de le faire comme ça, hors vidéo. Enfin, en faisant une ellipse. Et vous retrouvez dès que je l'aurai fini, je pense. Ouais, ça m'a l'air d'être un bon plan. Oh! Putain, j'ai réussi à le passer. Ouais, mais pas le reste. Le reste, voilà, on tombe dans l'eau. Et puis là, ça veut pas charger les chunks. Bon, je vais vous retrouver dès que j'aurai réussi. Parce que sinon, je vais mettre trop longtemps. Ah, j'ai réussi à hacker un peu le truc. J'ai pas fait le dernier cerceau. Par contre, je les ai tous fait avant, mais j'ai pas fait le dernier cerceau, je suis quand même arrivé là. Par contre, je crois que ça devait me téléporter. Et ça m'a pas télé... Ah, c'est juste un bouton! Oh, ah merde. Par contre, lui, ouais, non, lui, il va fort, ce téléporteur. Ouais, voilà, j'étais mal téléporté. Mais là, oui, ok, j'ai réussi à passer. Ah, bah, il passe un peu le truc. Oh, putain, là, c'est un peu galère. Là, il faut passer comme ça, faire le tour. Voilà. Oh, putain, faire un tour. Voilà, ce que je disais. Faire un petit tour. Hop, hop. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh! Non, merde. Ok, on l'a pas eu. Mais, ouais, du coup, c'était... J'ai quand même mis pas mal de temps, vous voyez que l'Elytra est quand même pas mal défoncé. Si je fais scoreboard, donc cette display, donc cette barre, et là on a mort. 67, voilà. On est à 67 morts là maintenant. C'est quand même pas mal, voilà. Et là du coup il faut attendre un petit peu, voilà, il faut remonter. Là, putain, il y a le mur encore, faut plus faire gaffe ici. Tac, 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 voilà. Nickel. Ok. Ok. On passe là. Là. Ah, oh, en fait, faut temporiser. Voilà. Oh, putain. Oh, lui. Ah. Oh, je l'ai. Je l'ai. Parfait. Lui, est-ce que je l'ai? Je l'ai. Yes. Il faut pas temporiser trop longtemps. Et là. Oh, non! Oh, putain, non! J'y étais. J'y étais là. Est-ce que je l'ai toujours? Oui, je l'ai toujours. Ok. J'y étais, putain. En fait, c'est plus simple ici, mais les autres, merde. Les autres sont plus proches, donc j'ai l'impression qu'ils sont plus durs. Ouais, là, ça devrait aller. Aïe. Aïe, 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 aïe. Ça fonctionne pas. Ok, bon, je vais continuer. C'est le... Oh, on perd de la durabilité dès qu'on vole. En même temps, j'ai l'impression, vu que j'avais rien tapé, puis je suis passé de 34 à 33. Donc c'est un peu embêtant, mais je vais faire avec. Donc alors, là, merde, putain, il y a un mur. Ouais, tac, un peu décalé, hop, un peu décalé, un peu décalé, ok. Là, voilà, on décale un petit peu. On fait un petit déhanché du boule. Non, hop, ah, nickel. Voilà, on fonce là-dedans. Là, on fait pareil. Voilà, en fait, il faut retourner en arrière un peu. Voilà. Oh, what? J'ai eu what? Ah! Elytra presque cassée, ok, c'est, ok. Il faut que je me give une nouvelle Elytra. Voilà, Elytra. Voilà, j'ai juste give une Elytra, donc Elytra, fly! Ok.
Swaggy et Litra. Ah mais non, je devrais juste la réparer celle-là, sinon si je peux. Si j'y arrive. Si je me mets en game mode 1, on va juste la réparer parce que du coup peut-être que le nom il joue un truc. Donc oh. Mais non en fait. Ouais parce que la durabilité est quand même très basse et je sais pas comment la monter sans plugin, sachant que je suis en solo. Bon, on va la garder dans un côté au cas où oui, on a besoin de l'avoir dans l'inventaire, passer les épreuves et tout. Mais voilà, bon, du coup on a une autre Elytra à la place. Voilà, on arrive en game mode 2 plutôt, parce que du coup faut pas qu'on puisse casser les choses. Alors, là, parfait. Ouais, la durabilité c'est plus quand on vole. C'est ça en fait. Hop. Non. Ok, bon. Je vais y arriver, puis je vous retrouve normalement dès que j'ai fini. Là, c'est plus rapide à le faire. Et puis sans besoin de cheat en fait. J'ai juste besoin, hop, de tourner un peu là. Bon là, vu que les murs peuvent être n'importe où, faut essayer juste de tourner en rond. Comme ça. Et là, hop, tac, aïe. Oh, je l'ai eu. Voilà, tourner en rond. Oh merde, je l'ai pas eu. Ouais, bon, ok. Alors, du coup, je vais tenter ça et je vous retrouve dès que j'ai réussi. Et bingo, c'est parti, on a réussi. Hop. Ah, voilà. On est à la fin, Chase. Normalement, on est à la fin. Click to save. Et c'est... Hop. Parfait. You're almost finished, you have unlocked the portal. How do I open the portal? Prends ça. Allume le portail avec ça. D'ici, tu devrais... Tu peux avoir Maple Spread, je sais pas ce que c'est. The last piece of the sandwich. La dernière pièce du sandwich. Bonne chance. Donc, c'est ça. Portal Inhibitor. Le portail qui est là-bas. Voilà, qu'on a vu depuis le début. Qui est tout là-bas. Donc, on va le faire dans cette vidéo. Vous en faites pas. Je vais pas faire comme l'autre vidéo d'avant où j'avais fait juste deux épreuves. Enfin, une seule épreuve, du coup, vu que c'était trop long. pour tenir, sinon le reste. Et que j'avais pas géré. Hop. Alors, t'es un boss. Salut, désolé du petit dérangement. Il y a une voix qui parle juste après dans Minecraft. Il y a eu un problème de record. Et du coup, on l'a pas en record. Donc malheureusement voilà je dois passer la partie après. Voilà. Paul, putain c'est un monstre, je suis sûr. Oi. Non. Salaud. Ah, j'ai besoin d'un. Comment je le mange? Enfin, je le mange pas, non. Pizza. 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 Ah, je suis sûr il faut taper ça. Non? Je suis Paul. Putain, ah. Ah. Vas-y, t'es bloqué. On dit que t'es bloqué. Oh! T'es mort? Est-ce que le vrai Paul est mort? Glorious. Oh, c'est ça. Ah ah, j'ai battu Paul. Oh non, vraiment. Il y a un problème. Il y a plusieurs voix en même temps. Alors, j'ai pas compris où on allait, ça allait trop vite. Wow, where I am? I'm in the middle of the jungle. Oh no, ma faim est basse. Oh, the food I have is the... I need to eat it. Non! Vraiment! Goodbye, non, ne mange pas le sandwich. Je ne le mangerai pas. C'est... Non! Non, il m'oblige à le manger. Les salauds. Putain, ils m'ont obligé à le manger. Le grand sandwich. Non, qu'est-ce que je vais leur dire? Hey, les développeurs. Qu'est-ce que je vais leur dire? Bah, je crois que c'est fini en fait, mais... Y a rien à prendre là-dedans. On est où? Check us out YouTube. Je crois que c'est fini. C'est marqué où? Eating the sandwich. Aïe. Y a rien là-dedans? Y a rien.
Faut juste voir parce qu'ils ont pas annoncé que c'était la fin de la map en fait. Ils ont rien dit. Ils ont juste dit qu'on mangeait le sandwich. Il y a un bouton. Non. Il fait rien. Je crois, en vrai, je crois qu'on est à la fin, mais je suis pas sûr du tout. Donc, ouais, faut être sûr. Mais non, en vrai, on est réellement à la fin, j'ai l'impression. Sinon, ça serait peut-être plus visible pour savoir comment continuer la map. Et là, on voit rien du tout. Bon, on peut taper personne, évidemment. Mais bon, ça c'est normal, il n'y a pas de mob en tout cas. Vu qu'on n'a pas l'effet là-haut qui nous interdit de taper. Et à part ça, je vois pas de bouton. C'est pas un find the button, un truc du genre. Parce que, en vrai, le truc, c'est surtout qu'ils ont pas annoncé que c'était la fin de la map. Ils ont juste dit, on mange le sandwich dans 3, 2, 1. Et là, ils ont rien dit après. Bon, ça, c'est moi qui ai cliqué sur les boutons là des crédits. Mais je crois que c'est la fin en fait. Parce que c'est les crédits quand même. Donc voilà, donc c'est la fin de la map. Donc j'ai bugué. Elle aura duré 3 épisodes. Et bah elle se finit maintenant. D'ailleurs il y a une map The Sandwich 2. Mais je la jouerai pas maintenant. Je sais pas dans combien de temps je la jouerai, mais je la jouerai peut-être un jour. Sans doute. Sans doute que je ferai The Missing Sandwich 2. Si vous voulez d'ailleurs la map The Missing Sandwich 2, n'hésitez pas à exploser la barre de like, à mettre genre au bout de 10 likes, voilà, 10 likes, on va pouvoir jouer au The Missing Sandwich 2. Donc bon, vous allez vous dire, ouais, mais jamais on atteindra les 10 likes pour le moment. Mais si je continue avec ma chaîne comme ça, peut-être qu'à un moment on va atteindre les 10 likes, sans doute. Donc sans doute qu'on pourra avoir la map dans peut-être un an, un truc du genre. Voilà. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un gros like. Une vegale à like, c'est important pour le développement de la chaîne. À vous abonner si c'est pas déjà fait. Surtout qu'il y a beaucoup parmi vous qui ne sont pas abonnés, qui regardent ma chaîne. Donc ça me ferait plaisir que vous vous abonniez si vous aimez ce que je fais. Voilà. À partager la vidéo à tous vos amis. Et moi, je vous dis à demain. D'ailleurs, partagez, c'est pour que je me fasse connaître du coup. Et puis en même temps, les abonnés c'est pareil, les commentaires c'est pareil. En fait, c'est un peu tout comme ça. Partager c'est le plus important en vrai normalement avec les abonnements. Parce que si vous n'êtes pas abonné, vous recevez pas les liens des vidéos. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Dark Bo. Tchuss!